dał Tameki na to, żeby być w tej formie. Teraz musi skoczyć tylko 208 metrów, by wygrać z rywalami, ale on będzie chciał skoczyć znowu daleko. Pewnie najdalej w tej serii. 231 było w pierwszej. Trochę na dole wieje. Czy wystarczająco, żeby daleko skoczyć? Tak! A więc wielka forma. Nie ma dwóch zdań. Zrobił to jak wielki mistrz. Skoczył najdalej także w drugiej serii, tak jak Adam Małysz w ostatnich tygodniach. Gratulacje! Piękne zwycięstwo na zakończenie sezonu. Fina wczoraj wygrał minimalnie, zaledwie o 1 metr z Adamem Małyszem, a dziś pokazał, że był zdecydowanie najlepszy poza zasięgiem rywali. 224 metry w drugiej serii. Ki 227,50 m. Allez, oh, il est haut, et il est haut, il est haut, Mattia Tomeki. La Finlande va remporter ce concours par équipe. Et encore, ouais. Oh, 224 mètres, Nicolas, 224 mètres pour Mattia Tomeki. Et joli saut, ça soufflait latéralement de gauche à droite, pas évident. Et le Finlandais est en totale confiance. Voilà, là, il est un peu déporté hein, sur la droite. Il se replace. 224 mètres. Dans des conditions que vous ne qualifieriez pas d'idéal. Non, mais en bas, c'était pas, ouais, ça soufflait moins fort que lors de son record du monde hier. Stéphane Thurnbichler, record personnel 195 mètres. Jeune Autrichien sous le soleil de la Slovénie. C'est son baptême de l'air. Hein. Il s'ouvre la ski. Ouais, c'est bien lancé ça. Il arrive haut, il est haut. Belle vitesse. Oui, oui. Oh, Thurnbichler. Quel saut. Record du monde, peut-être. Regardez le regard, la détermination de l'Autrichien. Et il lance avec beaucoup de puissance le haut du corps, très fermé. Il arrive vite au-dessus de la bosse et surtout avec de la hauteur. On va attendre la distance, mais pas loin de la ligne des 225. Avec le télémarque, s'il vous plaît. Stéphane Thurnbichler, 224 mètres. 224 mètres pour l'Autrichien de Kitzbühel. I później 3 Puchary Świata, ale chciałby jeszcze to zrobić w bardziej imponującym stylu. Rusza Polak, warunki na skoczni są porównywalne na pewno do tego, co miał Matti Hautamäki. Dynamiczne wyjście, szuka wiatru, czy daleko, leci, będzie piękny ląd, jest lepiej, jest pięknie, nikt mu nie zagrozi. Proszę Państwa, ależ forma, ależ skoki, ależ klasa. Adam Małysz, piękny skok odległy. Jak on to robi? Dlaczego się nie boi? Dlaczego tak wspaniale szybuje? 224,5 metra. I proszę Państwa, już jest chyba wszystko jasne. Zdeklasował ich. Les 228,50 m, le nouveau record du monde de Mattia Tomeki. Alors on surveille un petit peu l'air, c'est bien. Brise de face, ça remonte à plus d'un mètre seconde. C'est parti pour Adam Małysz. Surveillez la vitesse, ça va pas aller vite. 98,1, c'est lent. Mais ça passe. Ouais, oh ça, oui, descend. Ça passe. Oh, Adam Małysz. Non, je crois pas. Nouveau record personnel pour Adam Małysz, 226 moi je vois, mais bon, on va voir. Et demi de tête. 98 km/h, 1. Oh là là. 225 mètres pour Adam Małysz. 225 mètres, il égalise son propre record. Mais quelle performance, quelle performance. Eh, le jury va pas te remettre d'élan, hein, Patrice. Plateforme 4,
encore 225 mètres. Ah, le niveau du saut à ski mondial devient très très impressionnant. Regardez ces images. Les skis qui se déforment avec la puissance de l'air et la vitesse du petit Polonais qui accélère en vol. Et donc, comme promis, on va vous proposer ce qui s'est déroulé il y a simplement quelques minutes. Adam Mawish, lors du saut d'entraînement, il a égalé le record du monde à 225 mètres. Premier saut d'entraînement tout à l'heure, et regardez, c'est fantastique. Il se pose, on peut dire, quand même facilement. À 225 mètres, là où Goldberger s'était posé il y a 3 ans. Et comme vous le dites, facilement, parce que c'est vrai que lorsque nous sommes arrivés hier, on a regardé le tremplin, on s'est dit qu'il était parfaitement préparé, que la neige était superbe, mais que 225 mètres, c'était, ma foi, bien bas. Mit einer Riesenpunktzahl und nun der fast Weltrekordmann. Was liefert er jetzt ab? Veli Matti Lindström. Der Versuch, der Sprung von Stan Smith hat gezeigt, was möglich ist. Der sieht auch wieder gut aus. Er bleibt, der Segel, der Segel, der Segel, der Segel! Ja, er lässt sich überhaupt nicht weit drücken. 101,3, gleiche Geschwindigkeit wie beim ersten Durchgang, aber viel, viel weiter. 225,5, der zweitweiteste Sprung, der je in der Geschichte des Skifliegens gestanden wurde. 225,5, finnischer Rekord. Immer noch nicht Ende der Fahnenstange. Oh. Ja, Veli Matti Lindström. Es gibt einfach Typen, die sind für diese Riesenschanze geeignet, besser geeignet als andere. Lindström, der in Oberstdorf auf der Flugschanze ja schon... ...paru świata Matti Hautamäki. No, także bardzo dobra w tym sezonie forma w ostatniej części sezonu, także na Mistrzostwach Świata w Val di Fiemme. Piękna prędkość na progu 103,4 km/h, bardzo daleki, fantastyczny, fenomenalny lot Matti Hautamäki. Proszę Państwa, mamy nowy rekord świata w długości skoków, a właściwie lotów narciarskich po przepięknym skoku. Wspaniałym locie Matti Hautamäki uzyskuje 227,5 metra. 2,5 metra dalej niż Goldberger w 2000 roku, 2,5 metra dalej niż Adam Małysz w dniu dzisiejszym podczas treningu. No, fantastyczny skok, aż chyba nie spodziewał się, że tak daleko leciał. Wydawało się, że to lądowanie byłoby ładniejsze, delikatniejsze, gdyby jeszcze dalej pofrunął Matti Hautamäki. Ależ fantastyczne osiągnięcie reprezentanta Finlandii. Rzeczywiście w ostatniej części sezonu zawodnik, który na początku tego sezonu spisywał się słabo, ale wówczas odbywał służbę wojskową. Trochę to przeszkadzało mu w przygotowaniach, a później w startach. W ostatniej części sezonu jest w świetnej dyspozycji. 227 metrów Matti Hautamäki podczas tego skoku. 227,5 metra, jak powiedziałem, 2,5 metra dalej niż Goldberger i Adam Małysz. Et c'est bon, hein, l'air, ça revient de face. C'est parti. Ça va descendre. Oh, Matti Hautamäki, nouveau record du monde ou pas? Ouais, je pense. 28, je le vois, moi. Oh, oui. 228,50 m. Nouveau record du monde pour Matti Hautamäki. 228,50 m pour le Finlandais. Quelle facilité il s'est posé. La vitesse 99,3, c'est incroyable. Regardez. Impressionnant. Oh, on a bien fait de le montrer, ce saut d'essai.
quelle amplitude. Il... pas mal de sauteurs Wolaski se concentrent sur le geste à faire parfaitement, mais lui, non seulement il le fait parfaitement, mais il met une intensité la même qu'il met sur un petit tremplin. Il explose avec de l'amplitude, de la fluidité. On l'a vu passer proche de la bosse à 100 mètres. Et son ombre s'est éloignée, éloignée. Il s'éloigne de la piste. Voilà la ligne rouge du point K 185, la ligne rouge des 215 mètres du point jury, la dernière ligne à 200. Skoczy Matti Hautamäki, wczorajszy zwycięzca, drugi rewelacyjny skok, 221 metrów dał mu wygraną, odrobił 10,5 metra straty z pierwszego skoku do Adama Małysza. Matti Hautamäki, szybki na progu 101 kilometrów, a później powietrzu on potrafi walczyć, jest wysoko, kapitalny skok, kapitalny skok. Myślę, że jest nowy rekord, albo w tych granicach. A więc złapał wielką formę, sam sobie bije brawo. To ci, którzy robią coś szczególnego, jak niegdyś Wojtek Fortuna, jak w swoim najlepszym okresie Adam Małysz, jak pamiętamy także z tych gestów Hanna Walda, Simona Amana w ostatnich dwóch sezonach. Patrzmy, jeszcze nie ma rezultatu, sędziowie nie są zdecydowani, czy będzie rekord, czy nie. On już wie, że było daleko, ale ile? Nie chcą sędziowie tej odległości podać. Lądował 231 metrów. Un certain Veli Matti Lindström va s'élancer négligemment avec un dossard 7 discret pour se poser à 232,50 m. Voilà, le plus long saut jamais réalisé dans l'histoire, mais il a eu du mal à tenir. Hein. C'est vrai que c'était le premier saut du matin à 9h et que le lancer, le vol, c'était vraiment parfait. Ça allait assez vite, hein, plateforme 10, pratiquement 5 mètres de plus d'élan que ce matin. Ouais, il faut regarder ce saut parce que c'est vrai que c'est le plus long jamais réalisé, même s'il n'est pas maîtrisé, vous le voyez sur ces images, avec cette chute suite à la réception. Mais personne n'est allé aussi loin, hein. 232,50 m, ce n'est pas le record du monde une fois de plus. Ouais, il ne faut pas toucher, il faut tenir jusqu'à la ligne de chute.